De retour pour la demi de ce draft. Et oui. Et voilà, toujours avec Bourdi. Et on est sur le play, sur la draw plutôt. Sur la draw. Et on va pas mulliganer cette main qui est bien trop cool. Voilà, la petite ranquette est présente. Elle est là. C'est une bonne main. Une bonne ranquette. Et on est content d'avoir cette main pépousement. Enfin, un petit Galvanic Blast en backup. Et peut-être que c'est lui qui a le l'anatomiste, c'est ça? Le Grey's Anatomiste. Peut-être. Est-ce que tu... Non, on va laisser ce mur en vie. Tu n'es pas du genre à... Non, laissons les murs vivre tranquilles. Voilà le deuxième noir qui se profile à l'horizon, ouais. Spellbomb. Oh, le deuxième noir qui se profile à l'horizon, Spellbomb, c'est trop beau. C'est trop beau. Ouais. Tu as beaucoup de talent, Bourdi. Je sais. La poésie, c'est un point fort. Grand poète devant l'éternel. Oui. Flayer Husk. Tu m'envoies ravi un Flayer Husk. C'est en effet pas top. Un Culling Dace. Alors attends. Et tu penses peut-être à faire un blast sur Amir? Ouais, je pense à ça, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je ne pense pas. Pas sûr, hein. Je ne pense pas. Non, on va le chier. Hein. Ah ouais, on va prendre le plan contrôle. Ouais, c'est très bien là. En le laissant empiler des 1 pour Rav. Écoute, on va jouer un noir. On va faire go. Tout à fait. Prends le plan contrôle. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on est talentueux quand même. Lui, il a joué 3 cartes nulles. On a 3 couleurs T3. C'est trop facile. C'est la deuxième. On va commencer à prendre des petites patates là. Oh là là. Oh mon dieu. Ouh là là. Oh mon dieu, j'ai peur. Un point. Oh mon dieu. Il a pas attaqué avec le. Non, un sérum raqueur. Ah, ça c'est un peu meilleur quand même. Ouais, choqué. Ça va partir sous Skin Render. Ouais, sous Skin Render. Vas-y. C'est parti. Ok, c'est good ça. Et un noir. Boum. C'est là. Et on va discarder quoi? Qu'est-ce qu'on discarde? On va discarder un rouge. Discard un rouge. Ouais. Ok. Est-ce qu'il nous rendait? Parce que là on a déjà. Paf. Il va le saquer, je pense. Espérons. Il l'a pas saqué. Oh là là, ça c'est le misclick, c'est le F6. C'est le F6. F6 de nul. Parce que t'as un Queen D, si tu ne fais pas F6. Ouais, exactement. On discarde une rouge. Et c'est à toi, Coco. On discarde un spell encore. Bah oui, normal, vu qu'il a pas demandé le tour d'avant. Ouais. Nous on a droit au F6 par contre. Tout à fait. On joue que les bonnes cartes. Oh, Mir Smith. Oh, encore un jeu qui s'empale sur un cavreux là. Ça fait plaisir. Ça. Il a pas mis F6 normalement. On a des milliards de trucs à faire, hein. Je sais même pas. Je pense qu'on va commencer par attaquer. Commencer par une patate. Oui. Petite patatas fritas, c'est parti. Ce serait bien de se débarrasser de ce Mir Smith parce que. Moi je suis d'accord. Hein, des Mir Smith, c'est quand même. Ça peut être très très relou. Ouais, je lance ça pour garder ça en backup. Alors, je vais faire ce petit boui-boui. Je pense qu'il va penser à le saquer cette fois-ci. Ouais, il fait pas deux fois la même connerie quand même. Voilà. Ok. Et je vois bien un bet-bet moi. Ouais, bet-bet c'est correct. C'est tout à fait correct. Donc, tant pis pour le shatter. Ouais, tant pis pour le shatter. Je sais pas ce qui peut nous chier comme grosse menace à ce stade-là. Faire shatter sur un Queen Death, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment nul à chier. C'est pas une très très bonne idée. Non, mais je vois pas qu'est-ce qui peut nous chier à 5, même pas à 5, il a pas de land apparemment. Ouais, c'est ça, il a pas de land. Le coco. On a beaucoup de land par contre. Hein. Non, on a beaucoup de land, ouais. On en a que 17, hein. On en a que 17, tout à fait. Ouais, bah. Ah, c'est la patate avec tout, hein. On est là pour l'impression ou pas? Tu m'ambiances avec tout, toi. Ouais, je m'ambiance avec tout. Avec tout. Ce serait bien de garder un Arto pour notre cavru. Ok, donc patate avec ça. Et là, attends, est-ce que cet émissari ça sert? Il sert à rien, on bloque. C'est mieux qu'il patate si jamais il bloque pas. Parce que là, il va snap trade contre le germe. Ouais. Et ça l'arrange plus que nous. Nous le lance, okay. On s'en fout. Je pense qu'il faut juste attaquer avec lui. On garde ça pour faire une hypothétique Alpha Strike bien plus tard dans la game. Ok. Plutôt que trader, tu vois là, hop.
Il va sacrifier sur la Death. Ok. Peut-être là, il est bien le chatter. On a droit à la réplica aussi. Ouais, on va faire une petite réplica. Ouais, c'est le coup. On va engager tes terres, mais c'est pas trop grave. Pourquoi? Ah oui, pour pouvoir faire réplica chatter. Ouais. Je pensais pas à faire réplica chatter là, ouais, vu qu'il est, il est un petit peu en death de land. On est plutôt pépouze. Bah ouais, ça va. Oh là, ça va commencer à saucer au mire. Oula. Oula, oula, malheureux. Là, par contre, tu vas un peu attaquer avec l'émissary là. Ouais, tout à fait. Pif. Et même. Oh là là, par contre, on piège beaucoup de land, je trouve. On piège beaucoup de land. Ouais, c'est pas grave, on est bien quoi dans les games. On ne drop pas. Et là, je pense qu'on peut même engager. On peut même saucer à la réplica. Ouais, ouais, on sauce avec tout. Hein. Parce que faire le trade silver réplica. Bon, quoique. Non, c'est nul, je crois. C'est nul, c'est pas bien. Juste l'émissary et skin random. Paf. Allez, une petite patate. Yes. Nickel. Parfait, ça. Cool. Bon, on drop pas de land. Et c'est le go. De toute façon, il a rien qui fait discarder. Tu veux lui faire fier des bouées. On aurait pu dropper un land. Ça dit garde les lands en main. Ouais, voilà. Mais non, c'est pas. C'est nul, ça rien. De quoi? Non, de garder les lands en main. Ça sert pas aussi, ça sert à faire peur, mais bon. Ouais. Ouais. C'est Dace qui nous ennuie un petit peu quand même. Hein. Quoi? C'est Dace. Dace ouais, ouais, le Calling Dace, c'est chiant. Vas-y, fais rien. Ouais, on fait rien. Casse pas cette rustique. Non, non, non. Rien. Mirolo. Ah, ça, c'est good on dit ça. Vas-y. C'est assez good on dit. Patatassa quand même ou pas? Ouais, patatassa. On peut patatassa. Pas au 2-1. Pas... Juste au 3-3. Hein. Ouais, juste au 3-3. Est-ce que tu serais saucé sur faire un shatter si jamais double bloc ou tu tues juste. On va voir ce qui se passe. Tu juste une rustique, je pense que. Ouais. Non. Bah, on va dropper une mantis et puis tire quoi. Ah, d'accord, ok, pas de double bloc. C'est la mantis. Et voilà. Bah le double bloc c'est pas génial génial quand même hein. Ouais. Ah ouais, parfois les mecs se saucent tu vois, ils font oh, je prends trop de points bah, bah. Alors lui il a peut-être un style sabotage en main. Ça fait un bout de temps qu'il a un bleu up. Il attend qu'on joue un Arthos. Maybe. Il est mal barré. Maybe maybe. Et ça ce que c'est non. Ça nous plombe encore un petit peu mais. C'est chiant ça en fait, ça bloque. Ah c'est chiant ouais. Est-ce que tu le shatter ça? On va voir notre draw. Ça coûte 2 mana, on n'est pas à 2 mana près. Ouh. Ouh. Ah, ça c'est un tu vois le shatter, ça... on a quelques PF gratos. Ouais, donc on va faire un fangrain de maraudeur. On a assez pour faire les deux? 5-6 ouais, ouais on a mais assez. Est-ce que ça sert de faire les deux? Parce que là on va. Ça nous permet de patater, c'est tout. Ça nous permet de faire une alpha strike. Bah on patate hein après. Hein. Vas-y. Vous donc. Regarde. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un fangrain. Un shatter sur ça, on est d'accord. Ouais. Paf. Ouais. On va gagner 5. Yes. En 4 plutôt, ouais. C'est pas gagné. Si, non, c'est 5, 5 ouais. 5, 5. Puis là, on se match à toll. Peut-être avec tout. Ouais. Boum. Brainless. Brainless. Comme ça. Ça, ça va nous chercher notre troisième noir. Ouais. Ah oui, il prend 8. Courageux cet homme. Quand même. Courageux cet homme. Good on be, hein. Good on be. Et on va gagner Mass Pev, c'est ça. C'est juste ultime cette carte. Archi. Oh là, mais c'est quoi ce. Ce viol à la mort qu'on vient de faire. Il va piocher 3 fin de tour. Ouais, il va piocher. Et il va falloir qu'il pioche du archi lourd. Tiens, 5. Ça fait combien? On a gagné 20. On a gagné combien? 25.
mais à tour. Lol. On a gagné 25 points de vie à tour, messieurs dames. Non mais lol. Mais imagine. 25 points de vie. Non mais. Je pense qu'on peut piocher tout notre deck jusqu'à l'autre Galvanic Blast. Ouais, c'est ça. Hey, tu peux plus gagner là, Coco. C'est fini normalement. Normalement, il peut plus gagner, tout à fait. Tout à fait. Alors. Ok. Donc. Un jeu bleu-blanc, c'est ça? Ouais, est-ce qu'on a envie de... On a peut-être... Ah, alors, il nous a montré une Living Weapon. Ça sert pas à grand-chose de mettre cette Telgia de défiance contre le Flayer Husk. Il nous a montré une 3 de vol, donc ouais. L'archer ne sert pas à grand-chose.